Messieurs, il y a un bon présage. Quelques gouttes tombent sur Fort Boyard et c'est généralement un gage de richesse. Oh, c'est vrai. Vous avez combien d'indices? 4 indices. Alors, c'est quoi? Midi, phonographe, balance et foin. Bon, avez-vous une idée précise du mot code? Pendant que Philippe idée. Nous rejoint. Ah, il y a Philippe. Laquelle, idée. Philippe? Olivier, pardon. Olivier. Ouais. Disons que midi, on a pensé au soleil, donc à l'aiguille, parce que l'aiguille donne midi. On a pensé d'autres. Également. Bon. On a une idée, mais il reste pas beaucoup de temps. Est-ce que vous voulez faire un sacrifice? Non. Non. C'est très net, attention. Il y a les équipes qui étaient sûres d'elles comme ça, qui n'ont pas fait de sacrifice et qui ont raté. Vous jouez pour une association. Ouais, il reste pas beaucoup de temps, vite, décidez-vous. Vous jouez pour une association, ouais. Sacrifice ou pas? On peut faire... Non. Qui tout double. Sonne la cloche. Le sort est jeté. Alors, écoutez-moi, s'il vous plaît. Faites sortir le tigre. Faites bien attention, aiguille, il y a 8 lettres. Ok, vous êtes 10. Donc il faut deux boulets sur les mots. On va devenir de la route. Vite. Vite, passez en dessous. G, U, L, L, E. D'accord. Oui. Allez. Deux L. Deux L, hein. Deux L, Philippe. Non, pas deux L. C'est moi, GG. Vite. C'est bon, j'y suis. Ne perdez pas le temps là. Alors, ici, là, le G, là devant. J'ai eu. A. Oui. Levez-toi. I. I. G. Oui. U. Oui. I. Oui. L. Oui. L. Oui. E. C'est bon? On est d'accord, Sandrine? C'est bon. Félindra, tête de tigre. L'Institut du cœur, ce sera pour tous les cardiaques, mais aussi, ce sera l'Institut de tous les cardiaques et de tous les autres. Ce sera l'Institut de tous les cœurs généreux. Quelques explications sur les indices dont notre équipe d'aujourd'hui n'a fait qu'une bouchée. Balance. L'aiguille indique la mesure de peser sur une balance. Midi. L'aiguille du midi est un des sommets du massif du Mont Blanc. Phonographe. Le phonographe est un appareil qui permet d'écouter la musique à l'aide d'une aiguille de lecture de disque. Foin. Chercher une aiguille dans une botte de foin est une expression populaire. Encore. Oh là, allez, parce que la force va redescendre, il faut pas rester dedans, hein. Allez. Attention, la force, revenez. Vite, non, il va pas, c'est trop tard. Venez, messieurs, s'il vous plaît. Venez par là. Venez, s'il vous plaît, oui. Venez. Olivier, Abdel, Jeff. Disposez-vous là. Les uns à côté des autres, serrez-vous un tout petit peu, voilà. Non, par là. Non, Thierry, là, autrement, vous ne verra pas. Voilà, comme ça. Eh bien, voilà, nous avons assisté, Sandrine, à un nouvel exploit du 15 de France. Dans les stades, ils jouent devant des milliers de spectateurs. Ce soir, devant des millions. Mais nous, on n'est que deux. Oui. Donc, on va faire du bruit comme 10 000, d'accord? Allez, on y va. Voilà, parce que, en plus, moi je vais vous dire, qui adore votre sport, j'ai vibré comme un enfant, je suppose que les téléspectateurs ont été comme moi. Vous avez une cohésion extraordinaire entre vous, je crois que vous êtes bien amusé en plus. Est-ce qu'on peut comparer certains moments à l'excitation d'un match de rugby? Oui, je pense que c'est pareil.
comme un coup d'envoi, on est un peu stressé. Après, on s'est prêté au jeu, on a bien participé, on a passé une agréable journée. C'est super. Et en plus, c'était pas pour vous. En plus, c'était pour une œuvre humanitaire, donc je pense que c'est bien que tout le monde ait répondu présent. C'est bien. Dans votre sport, vous êtes des amateurs, vous êtes restés des amateurs à Fort Boyard qui ont joué pour le plaisir et pour les autres. Bravo. Merci, Jeff. Est-ce que la troisième mi-temps, ça existe au rugby? Comment elle va être là après là? Ça existe chez nous, mais c'est vrai que ça, c'est un peu le rêve de tout le monde de la connaître en troisième mi-temps. Mais ce soir, je te propose de venir avec nous pour. C'est dur pour moi parce que déjà j'en ai pris beaucoup plein la figure. Donc, il n'y aura pas trop de poulet à manger. Il n'y aura pas trop de poulet, merci, ça va me rester. Merci pour le poulet. Je sais que les rugbyman, contrairement aux footballeurs, ne s'embrassent jamais. J'ai envie de le faire, mais je ne vais pas le faire. Messieurs, on va se faire ça. Salut, merci. Tu veux plus salut, Sandrine.